mais il vient de monter un vlog que m'avait pas monté comme il était à Paris là-bas. Du coup, il me laisse à cette visionner. Là, nous, ça va à la MEP avec Véli. La MEP, M-E-P, c'est le musée européen de la photographie. Bon, bah, le beau temps n'est pas au rendez-vous, mais soyons sexy quand même. Soyons sexy. Tu veux montrer ta petite jupe? Ah. Voilà. Elle est toute en transparence. Là, nous voit Pascal Obolo en train de présenter Del Revlon. C'est un ami que m'a rencontré à la Cité des Arts. Il était en résidence aussi, mais il fait de la danse, lui. Là, regarde comment Véli est concentré, là. La Pougarde, Del est en train de faire sa performance. En fait, c'est de la danse contemporaine. Del, il fait du fogging, mais aussi de la danse contemporaine. M'a pas filmé toute, m'a filmé juste 2-3 petits extraits parce que ben, la performance était due à 30 minutes, comme ça, m'y crois. Là, la fini, de Mouni applaudit. On est à la MEP, c'est la soirée inédite, nos luttes, sharing stories. Et en fait, on avait une exposition aussi. Mais connais pas combien de temps l'a duré l'exposition, mais c'était une rétrospective, la première en France, de Zanelli Muoli. C'est une photographe et activiste sud-africaine, et elle documente la vie de la communauté LGBTQIA+. C'est une puissance. Véli, mesdames et messieurs. Le programme l'avait terminé par un DJ set et un petit concert, elle était trop bien. Et après, quand elle était finie, le musée l'a fermé, mais pas pour tout le monde. Nous, nous la reste dedans, on avait un buffet, il était trop bon. Nous la rencontre des belles personnes et tout. Please tell your friends who are not here that they missed out. Bonsoir, Yannick au piano et Véli, la mystérieuse anonyme, au micro. Je sais pas quelle heure il est, mais je suis en retard. J'ai plus de batterie, je suis dans la merde. J'ai des rendez-vous prévus. J'ai en retard, c'est prévu. Bref, après ça, nous l'avions encore faim vu que nous l'a pas d'eau tout de suite comme nous l'a rentré. Nous l'a fait un petit peu la fête et tout. Et nous l'a fait les pattes et nous l'a parti dormir. Et le lendemain, m'a fait écouter Idiot à Brandon vu que le son n'était pas encore sorti mais il voulait un avis. Idiot, mi pèse mes mots. Idiot, tu vois pas que lui la poucoca avec l'autre. Idiot, tu vois pas que lui trompe pas ou avec l'autre. Lui jouit même pas pour l'officiel. Et ben, lui rédit même pas pour l'officiel. Parce que les molles, les bizarres. Les pas molles avec moi, les bizarres. Oups. Après ça, l'après-midi, nous la partie avec Ismaël au shooting de Calypso, vu que Calypso était doit faire les photos pour la couverture de son album. Là, Ismaël l'a pour garder où c'est l'endroit où il nous doit retrouver Bana pour faire les photos. Mais avoue que il était un peu crasé, il n'a pas dormi tard. Il m'a oublié boire Red Bull. Nous n'a eu le temps de manger avant, vu que nous l'étions en avance quand même. Le photographe, c'est dans le jogging vert. Il était sympa, hein. Mais fais un petit coucou à la caméra. Et là, c'est la pause café. Ça n'a pas commencé que c'est déjà le café, ouais. Voilà. Ah là, il a la calypsance. Après la cuisson du riz, les backstage. C'est les backstage de la couverture de l'album quand même. Ça là, oui. Et le lendemain, m'a parti avec Julien chez Anton et Jérémy. Ben, elle avait invité à nous pour un brunch. Julien l'a rejoint à moi. Là, nous, ça va au RER à direction Cergy. Et en fait, comme nous l'est le 30, demain, c'est le 1er. Si nous rentrons après minuit ce soir, ben, il va falloir payer le carrosse. On était plein à moi des transports qui coûtent cher, vu que, en fait, le mois, pour 84 euros, nous, t'es peut aller partout en Ile-de-France prendre tous les transports. Et là, une fois rentré à La Réunion, m'y rendre à ma compte qu'il était quand même bien. Payer 84 euros pour pouvoir se déplacer. Vu que là, il faut que vous mettez l'essence ou l'auto un problème, il faut payer et tout. Alors que là-bas, elle n'a pas besoin de l'auto, en fait. Nous la prend Prosecco et un petit peu de jus d'orange. Parce que, en fait, le thème, c'est estival et il fallait emmener de quoi faire bonne cocktail et tout et nous fait là-bas. Là, nous l'est dans le RER avec Julien. Boum, nous l'est arrivé. Le train, il s'en va. Mité nostalgique du port quand nous l'est arrivé. Non, c'est pas le port, mesdames et messieurs. Mais calme. Quand nous l'est arrivé, nous l'a fait semblant et de banal parce que tout l'était déjà fait, en fait, quand nous l'est arrivé. Même la mise en place était déjà fait. Mais t'es content de retrouver Anton, Gedalila. Mais trouve que nous l'a pas vu à nous assez quand il était là-bas. Nous avons fait des photos dans le garage. Là, mais ça c'est le compte Anton, il monte à la bonne photo que m'a prend. Guess as a beau gosse. À un moment donné, ma gaine trappe Anton et Jérémy quand même. Ma film Bana m'a fait genre une petite interview. Ben franchement, c'était un truc qu'on voulait faire depuis un moment. Et là, on s'est dit, ben pourquoi pas, et voilà. Pour réunir tout le monde et tout, du coup, ça a été cool. Et du coup, ben en fait, c'était vraiment une occasion pour que tout le monde soit là. Quand tout le monde était là, nous l'a profité pour faire la photo de groupe.
Du coup, ma demande à Zot, comment là se passait niveau organisation? C'était très stressant. Ouais, en fait, on a commencé hier. Enfin, on avait invité les gens depuis la semaine dernière, mais on a commencé hier vraiment parce qu'on travaille et tout. Mais là, hier, on n'a pas arrêté depuis 11h jusqu'à 21h ce matin et non-stop et voilà. Non, ça. Et t'as qui ça? C'est qui l'a cuisiné? Antoine! C'est toujours moi qui cuisine. Oui, c'est le cuisinier de l'amitié. À chaque fin d'un fin, c'est moi qui cuisine. Toujours. J'ai fait des allocos, c'est des bananes plantain. J'ai fait aussi des poulets frits. Des nanes. Des nanes au fromage thon, au gajuma, d'acatine, du riz. Enfin, j'ai tout fait. Et la musique? Johanna. Enfin, joue pour les intimes. Johanna à la platine. Johanna à la platine, elle a fait une playlist de 5 heures. C'est une playlist chill. Que les gens ne respectent pas. Du chata, de la pop. C'est parti pour passer une très bonne journée de brunch. Ouais. Elle était trop bien en fait, là comme il revoit tout ça, mais jamais franchement la vie là-bas était belle, hein. Enfin à La Réunion aussi elle est belle, mais m'a bien profité comme il était là-bas quoi. Et Miron a aussi compte que m'a pas vu en tenace en fait comme il était là-bas. On avait plein de trucs à manger, à boire, on a boire un tas, on a fini tard hein, toute l'après-midi, nous t'es pas à sec du tout tellement lavé, nous t'es dans l'abondance. On avait un baby food, nous l'a joué baby food, nous l'a dansé, nous a rigolé beaucoup aussi. On a rencontré plein de gens sympas et tout, il était vraiment trop trop bien. Ouf, là nous sommes chez Anton, nous ça va à Châtelet, ensuite nous ça va à... Côté d'une petite case ici et tout, je m'y allais bien. Ensuite nous ça va à... La BBB. Nous ça prépare à nous chez nous avant et nous ça va à la BBB. Waouh, c'est d'art hein, c'est d'art. C'est d'art, non? Bon ben voilà pour le petit vlog, là fini. Bisous. Bisous, c'était la France. 9-4-2-0.